Alors, nous sommes partis d'un constat simple. Vous savez, pour nous, à ABT 2011, la question de l'emploi ne devrait pas souffrir de beaucoup de divergences, puisque le Bénin, nous le connaissons. Et si nous sommes vraiment objectifs, nous connaissons quels sont les vrais problèmes. Les mêmes problèmes sont là depuis plusieurs années et les discours changent autour, mais personne n'avance directement aux solutions. C'est pour ça que nous avons repris le diagnostic. Nous avons repris le diagnostic en commençant d'abord par une segmentation. Cette segmentation nous a permis de déterminer quelles sont les différentes catégories de jeunes que nous avons, parce qu'aucune solution ne sera applicable à toute la jeunesse en tant que bloc. Et donc dans cette jeunesse, nous avons distingué les jeunes qui travaillent déjà, nous avons distingué les jeunes qui travaillent dans l'informel, nous avons distingué les jeunes diplômés sans emploi, et même les jeunes déscolarisés, etc. etc. Alors, ce diagnostic nous a permis d'avoir un état des lieux clair. Je ne suis pas normalement autorisé à dévoiler tout le contenu du projet de société du candidat. Oui, mais puisque nous y sommes, les grandes lignes. Tout à fait, mais je dirais l'essentiel en tout cas pour que les gens sachent que nous y avons vraiment travaillé. Alors, nous avons, à partir de ce diagnostic qui nous a permis de savoir quels sont les différents segments de jeunes, nous avons eu un état des lieux assez clair. À partir de cet état des lieux-là, nous avons décidé, nous, de partir avec les priorités. Lorsque vous prenez chaque segment de jeunes, il y a des priorités. On n'a pas la prétention de pouvoir régler tous les problèmes en un mandat présidentiel. Mais nous avons décidé, nous, de faire avec les moyens qui seront disponibles, le Bénin étant un pays dont les moyens sont plus ou moins limités, et donc de partir de ces moyens-là pour régler les problèmes en classant par ordre de priorité. Alors, par exemple, lorsque nous prenons la question des jeunes diplômés sans emploi, nous avons remarqué à notre niveau qu'il y a d'abord une inadaptation des formations aux besoins réels de l'emploi. Personne n'a pris le temps de regarder quels étaient les vrais besoins du marché de l'emploi et quelle était la qualité des formations qu'on donnait à nos universités. Alors nous devons regarder ça et nous dire que le contenu de la formation doit être configuré en fonction de la destination professionnelle de l'apprenant. Alors, nous souhaitons également créer ce que nous appelons le pont entre la formation et l'emploi. Ce pont consisterait, par exemple, pour des entreprises, qu'elles soient du secteur public ou du secteur privé, à savoir à peu près à travers ce que les techniciens appellent un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, à savoir à peu près quels peuvent être les besoins sur une période donnée, et à regarder directement à partir des universités ou des centres de formation professionnelle quelles sont les orientations spécifiques ou les contributions spécifiques à apporter à la formation pour que le jeune qui sort de l'université soit directement employable. Je crois que la notion de l'employabilité a été largement évoquée. Le taux d'employabilité est très faible et ça c'est parce que justement personne ne fait le lien, le pont entre la formation, en tout cas les derniers mois de la formation et les exigences du marché de l'emploi. Oui, c'est vrai qu'on va, on va y revenir tout à l'heure, parlant du taux d'employabilité, mais plus concret, l'inadaptation de la qualité de formation aux besoins du marché, aux besoins du marché de l'emploi. Oui. Comment est-ce que vous comptez régler cet aspect de la chose? Parce que souvent, le problème est déjà à la base. Lorsque le jeune écolier, après son CEP, après son BPC, choisit un cursus où il ne peut que faire une formation, où il peut que faire une formation purement scientifique, est-ce que vous pouvez arriver dans votre diagnostic, dans votre manière de cibler le problème, à corriger tout ça? Bien sûr. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait, bien sûr. Je crois que je l'ai dit. Vous savez, pour corriger un problème, il faut trouver la bonne solution. Et pour trouver la bonne solution, il faut partir de l'état des lieux. J'ai dit que nous avons fait un diagnostic. Le diagnostic nous a permis de savoir clairement quels étaient les besoins. À partir de cet instant, dans la mesure des moyens, disposons sur les priorités et nous réglons les problèmes de chaque catégorie de jeunes. Alors, quand vous dites de façon concrète, déjà je vais vous dire, j'ai commencé déjà par le dire tout à l'heure, ce document a eu la supervision d'un certain nombre d'experts, a été réalisé par les jeunes. Donc, il est tout à fait adapté de la jeunesse. Lorsque prenons le contenu jusqu'au collège, c'est vrai que, vous savez, qui est en besoin d'un emploi? Ce n'est pas le jeune emploi.
C'est le jeune qui, après avoir fait son cursus académique, à une étape de ses études, de sorte à ce que dans les quais à venir, il soit prêt pour le marché. Niveau-là, que nous faisons en sorte que l'éducation est très renforcée pour la qualité, mais destination professionnelle que jeune, nous n'avons de formation spécifique, permettent à ce jeune employable dès sa sortie d'université. Vous savez, il y a une question que personne n'évoque, c'est que quand les jeunes vont demander du travail, d'expérience professionnelle, alors que personne n'est prêt à leur offrir un travail au niveau de BT 2011, nous allons, à BT 2011, cette exigence ne vient pas du marché de l'emploi, entreprises qui n'ont pas de fonctionner sur des résultats, qui ont besoin de compétences. Nous disons que lorsque le jeune arrive en fin de formation, sortant, il n'a pas d'expérience professionnelle parce que n'ayant jamais travaillé nulle aucune entreprise, sauf si déjà dans les derniers mois de sa formation, les 6 derniers mois par exemple, l'entreprise qu'elle elle a une relation avec cette jeune-là, a information de ce jeune-là, les éléments pouvant lui permettre d'entrer dans l'entreprise et d'intégrer facilement. Monsieur Mekion sera, monsieur Jean-Michel Abimola, je vous demander la place des jeunes dans vos réflexions de l'essentiel pour ne serait-ce que corriger un temps soit peu de chômage, de sous-emploi de 70%. Merci infiniment. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le développement de M. Omeki au titre de ABT 2011. Et je dois reconnaître que, disons, il a, c'est vrai, disons, fait une analyse qu'on ne peut pas contester. Cette analyse, c'est quoi? C'est en particulier sur l'inadéquation formation. C'est important, mais ce n'est qu'un volet de jeunes. Ça représente combien d'emplois? La question de centrale, vous focalisez sur l'emploi des jeunes parce que 61% de la population a moins de 35 ans. Mais je dirais que la question de l'emploi concerne toutes les... peut-être en dehors, évidemment, de nos retraités. Ce que je voudrais dire, c'est que la question majeure est le chef de l'État dans l'une de ses priorités. Et de certain nombre de choses sont faites pour justement résorber cette problématique. De quoi s'agit-il? Je voudrais dire d'abord que ce n'est pas l'État, a priori, qui crée l'emploi. L'État crée le cadre pour que le secteur privé crée la richesse, crée les emplois. À travers l'État peut marginalement, je dis marginasse, qu'il faudrait, disons, des emplois. Tant pour le secteur privé, la croissance et éventuellement, disons, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, et ça c'est l'État effectivement qui peut c'est cela. Depuis 2006, bien attention, vous verrez que sur ces trois œuvres, ça va prendre point par point. D'abord, croissance, en disant que à partir du moment où vous avez une démographie telle que la nôtre, avec l'accroissement de la population de à peu près 3,1, 3,2, ça veut dire que vous avez une obligation d'avoir, disons, un taux suffisamment important pour absorber régulier de rentrants sur le marché du travail. Ensuite, le secteur privé perd suffisamment de réformes, pour que le secteur privé puisse effectivement investir, puisse créer de la richesse et puisse embaucher. Nous pourrons également revenir. J'ai dit également qu'il fallait une politique volontariste. Et cette politique volontariste, par la politique des grands travaux et la choses qui sont faites et qui ont un impact direct sur la question de l'emploi, bien évidemment. Je voudrais dire que pour pouvoir bien débattre aujourd'hui, c'est dommage, nous n'avons pas ici, c'est vrai, nos amis de l'Union fait la nation, parce que à travers le discours du candidat investi de l'Union fait la nation, nous pouvons déjà, de façon concrète, débattre. C'est vrai que s'agissant de nos amis ABT 2011, nous n'avons pas encore les éléments pour pouvoir débattre. J'ai entendu là, c'est vrai, de mon cher frère, disons, un discours intéressant, mais je n'ai pas de base concrète pour pouvoir débattre, pour pouvoir savoir si effectivement cela aura un impact, à part les, disons, les vœux, bien évidemment. Nous avons tous le vœu demain d'avoir tous les Béninois au travail et qu'il n'y ait plus du tout de chômage, évidemment, dans notre pays. Donc, je voudrais, de façon concrète, dire que j'ai lu, relu, l'une troisième fois, le discours
qui a été appelé. Et je n'ai pas senti que la question de l'emploi était une question centrale. Je voudrais dire, voilà, permettez-moi, c'est important de le dire, vous nous invitez ici en tant que force politique. Vous nous invitez ici, nous sommes à quelques semaines, à quelques jours des échéances où nos concitoyens sont décisifs pour leur avenir, où les populations, pour savoir est-ce que mon fils, mon ami, est-ce que mon épouse aura un emploi, parce que ça fait 1 an, 2 ans, 10 ans qu'il n'a pas d'emploi ou qu'il vivote. Donc que nous puissions débattre de ces questions politiques pour que les Béninois puissent savoir qui sont ceux qui sont en train d'œuvrer pour faire avancer notre société. C'est vrai, M. Omeki a dit, et je partage son avis, que c'est des clics. Mais une fois que...